Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto page. Donc on va faire la dernière page de cet album. Donc pour rappel, c'est le Memory Dreams. Morning Memory Dreams. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Donc on avait déjà fait comme ceci, moi il va me rester un petit peu toute la déco. Après, je vous ferai une vidéo de présentation pour vous montrer comment j'ai fait ma déco. Donc voilà. Hop là. Pour rappel, vous avez la vidéo. Vous avez une playlist consacrée vraiment avec que cet album photo. Donc vous avez les deux premiers en live, je crois, et la suite de l'album en tuto. Je vous les mettrai dans le petit i. Donc, on prend notre page, toujours la même du coup. Et on va prendre, j'ai oublié de sortir ma petite colle ici. Hop là. Donc, on va prendre une page donc de 22 cm. Pas sur 2, mais sur 21. Hop. Donc, 22 sur 21. Et on fait un pli à 1 cm. Comme ceci. Ce qui va nous faire un carré de 21 par 21, exactement la même dimension que notre page. Hop là, je vais prendre ma petite. Là, et je vais biseauter les angles. Hop là. On va venir la coller juste ici. Hop là. Donc on colle juste là. Donc hop là, je vous montre. Donc on touche pas aux deux plis là, on met vraiment au pli ici. Hop là. Donc voilà, on a notre page ici. Ensuite, beaucoup de rabat dans cette page. Ici, on va prendre une page de... Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 22 à chaque fois. Donc de 20 cm sur 21, toujours à un pli à 1 cm. Hop là. Et celle-ci, on va la mettre donc, ici. Comme ceci. Donc il faut qu'elle soit plus petite que l'autre. Donc c'est pareil, je biseaute mes angles. Hop là. Et on la met donc hop là. Comme ceci. Je suis désolée pour le bruit de porte. C'est Jojo qui rentre et qui ressort. Je pensais être tranquille, mais non, mais non, mais non. Vivement, l'école, moi, je vous le dis. Hop là. Et du coup... Hop là. Donc du coup on se trouve avec un rabat ici et un ici. Et ça en fait de la place. Ensuite, on va prendre une feuille. Bah, je n'ai pas noté. Je vais prendre ma règle. Alors là, c'est du 23 cm sur du 15. Et on fait un pli à 1 cm en haut, en bas et sur le côté. Déjà faire ici, ici, hop là, hop,
Et hop là. Et du coup, lui, on va venir le coller ici. Comme ceci. Hop là. Qui va nous faire une pochette. Donc voilà. Et une pochette ici. Donc voilà, on va mettre des aimants. Donc, on va mettre des aimants. Hop là. Donc déjà deux. Du double face. Hop là. Alors, je vais en prendre deux morceaux. Hop là. Alors, ici, je mets l'autre à l'envers comme ceci. Je prends mon aimant, limite je le balance. Comme ça, il se met tout direct du bon côté. Et moi, hop là, j'appuie là. Et on fait la même chose de l'autre côté. On reprend deux aimants. Un, deux. Du double face pour deux morceaux. Hop là, ici et ici. Je me disais, il me paraît gros l'aimant. Bah oui, il y en avait deux. Oh, mince. Hop là. Et je le pousse. Et je viens le coller ici. Donc voilà. Alors, ensuite on va venir décorer. Alors. Pour l'intérieur ici, je vais prendre du papier jaune basique. Donc c'est le cardstock Crocus. Juste sortir ma roulotte. Voilà. Hop. Et ici. Et ici. Et du coup, on vient coller ici. Je vais juste enlever mes traces de gomme. Hop là. Et je vais venir coller. Hop là, le crochet. Hop là.
Hop, on fait pareil avec l'autre. Donc on économise comme ça le papier décoratif puisqu'on n'en a plus énormément. Donc oui, j'avais décidé dès le départ de ne pas ancrer mes pages parce que je ne savais pas trop avec quelle couleur le faire. Un petit tube de colle, ça va être la cata. Hop là. Hop. Là, je vois que j'ai un tout petit qui. Hop là. Donc voilà, hop là. Ensuite, ici. Alors ici, je vais mettre... Donc, du coup, je vais vous remettre là parce que vous n'êtes pas vraiment centré, centré. Du coup, on va prendre du papier décoratif. On n'a plus... On n'a même plus rien du tout, je dirais. Non, je vais reprendre du papier jaune, du coup. Ouais, j'ai pas vu... J'ai pas vu ça assez, en fait. C'est ça le hic. Parce que si je reprends du papier jaune là. Qu'est-ce qu'il me reste? Alors. Ouais, je vous montre tout. Il me reste surtout des morceaux. Et vous devez rester aussi. Pardon. Il me reste beaucoup de 15. Ouais, j'ai pas pensé à ça quand j'ai fait ma feuille. Quand j'ai fait. Là, c'est malin. Ma fric. Bon, on va faire avec du jaune. Ce n'est point grave. Hop là. Donc, on continue avec le jaune. Donc c'est du crocus. Hop là, on va venir coller ici. Hop là. On va y arriver. Hop là. Voilà. Hop là. On va reprendre une autre. Hop là. Bon, alors si vous voulez pas mettre, si vous n'avez pas encore terminé l'album, si vous voulez mettre moins de papier jaune, plus de papier décoratif, je vous conseille de prendre un autre bloc 30-30. Moi j'étais partie avec un bloc 20-20, un 30-30 et un 15-15.
Je vous conseillerais plutôt de miser sur deux 30-30 et un 20-20 à la rigueur. Et pourquoi? Et en plus, j'ai fait une bêtise. J'ai trop coupé. Mon mari qui a peur, commencer. Comment gâcher une feuille? J'ai chaud en fait, j'ai même très très chaud. Et du coup, je fais des bêtises. Vous risquez d'entendre les mouettes, du coup. Donc, on recommence. Marek, ici. Je me resservirai du jaune pour la déco. Ce n'est pas non plus catastrophique. Hop là. Donc, comment vous verrez ce dernier, cette dernière page, pardon, l'album sera déjà disponible en boutique pour celles qui le souhaitent. Hop là. Je vais retirer ici. 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 Hop là. Hop là. Du coup, ici on met une chute de papier. Hop là. Ici je vais mettre celle-ci. Hop là. Hop là, ici, comme ceci. Ça y est, maintenant vous entendez les mouettes. J'avais fermé pour pas que vous les entendiez justement. Il fait trop chaud. Hop là. Et je vais reprendre le reste de la feuille et mettre ce côté-ci. Donc c'est encore une page vraiment très très simple. En même temps, là avec le peu de papier, faire du compliqué, c'est justement compliqué. Hop là. Hop. Et du coup, comme ça, ça nous fait là. Et là. Donc voilà. Je vais venir mettre tout de suite maintenant pour que vous puissiez voir au moins une fois du glossy accent. Donc, pour vous montrer un petit peu, ce que je fais, c'est que j'en mets ici. Et ici, et du coup, après, je laisse sécher. Donc, voici pour cette dernière page. J'espère que l'album vous aura plu. Franchement, je trouve juste trop trop beau. Les couleurs sont géniales. Moi, maintenant, je vais laisser sécher comme ça pour que ça durcisse bien jusqu'à demain. Et puis, voilà, ça aurait été une petite page simple, rapide et j'aime bien. Allez, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.